Allô? Allô, allô? Oula, j'étais fort. Allô? Allô, allô? Y a quelqu'un? Oui, bonjour! Bonjour le chat! Mon Dieu! C'est un jeu Day One! Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô, bonjour! Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue! Bienvenue pour ce live on est quel jour? Attends, on est quoi? On n'est pas le 20 octobre 2023, mesdames et messieurs. Un grand jour dans l'histoire du gaming. Bonjour. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bienvenue. Bienvenue. Il est 17h42, il est tard. C'est fou, dis donc, il est presque la nuit. Non, c'est pas vrai. Bonjour, j'ai une casquette de Mario. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai une casquette de Mario? C'est bizarre. Est-ce que ce serait pas la sortie de Mario Wonder aujourd'hui? C'est possible, hein? Éventuellement, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être que... Oula. Mon bureau fait des bruits bizarres. Peut-être que le setup est encore un petit peu en rodage ici, hein. Peut-être que le setup est encore en rodage. Je rode la Go XLR. Regardez, ça s'entend. Allô? Est-ce que là, on n'est pas sur une énorme saturation, peut-être? Ça va les oreilles? Allô le lurk? Allô? J'ai changé des trucs. J'ai changé des trucs. J'ai notamment changé la disposition du micro qui est de ce côté au lieu d'être de ce côté. C'est bizarre. Je suis en train de regretter, voilà. Parce que du coup, je suis tourné dans ce sens, alors que vous êtes là. Du coup, c'est bizarre. J'ai un réflexe. J'ai un réflexe bizarre de tournage. Et en plus, la Go XLR est de ce côté. Là, de ce côté-là. Du coup, j'ai l'impression d'être un peu sous le micro pour changer les paramètres. Regardez. Par contre, j'ai une mi-molette de son. Ça sature pas, ça va alors. Ça va, Rourou? Voilà, je peux m'amuser avec le son. J'espère que ça va bien marcher un peu tout. C'est la première fois qu'on va tester un jeu Switch avec le setup Go XLR. Donc je croise les doigts pour que ça marche bien. Mais déjà, mon retour dans mes oreilles est pas plus fluide que la dernière fois. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est à cause de la musique? Genre, si j'éteins la musique, est-ce que j'ai l'impression d'être plus fluide? Je ne sais pas. Oh mon Dieu, le raid! Mon Dieu, je me fais raid par Alain, incroyable. Allô? Allô, Alain? Mais c'est la première fois! Allô? Bonjour! Allô, allô? Comment ils vont? Comment ils vont attends, comment on peut appeler le nom des gens qui sont chez Alain? Les Alinois? Bonjour! Salut du Kurtz, comment allez-vous? Bienvenue! Bon alors, comment ça avance, Wizard of World? Of Wood? Of Wood? Mon stream a duré assez pour que le tien commence, mais c'est une dinguerie. C'est la première fois que tu finis aussi tard. J'ai l'air con ce soir. J'ai l'air con parce que là, on va tester Mario Wonder. Je suis hypé comme jamais. Voilà, c'était soit ça, soit Spider-Man. Et vous avez choisi Mario. Comme ça, demain, on fait Spider-Man 2. Voilà. Voilà, clap, clap. On l'a fini, mais non! Mais non! C'est fini, OMG! OMG, c'est fini. Mais c'est dingue, c'était les Lemmings. Ah oui, les Lemmings d'Alain, incroyable. On a tout fait, même le mode multi. Mais non, il faut que je teste. Il faut que je teste. Il faut que j'aille voir déjà la rediff pour voir la fin. Et puis, go tester en fait. Je vais faire un comparatif, moi. Je vais faire un comparatif entre l'ancien Wizard of World et le nouveau. The New One, finalement. Trop bien, bravo. Attendez, quand même. Rourou l'a déjà fait, mais je le refais. Clap, clap. Bravo pour la fin. Bravo, bravo. Trop stylé, Alain. Trop stylé. Trop fort, le gars. Ça m'étonne pas. Bon bah chouette. Bonjour Aoko, incroyable cosplay, merci, j'ai tout donné. J'ai failli raser la barbe, mais je me suis dit, vas-y, pour un stream, c'est overkill d'avoir l'air d'un enfant pendant 15 jours. Donc je l'ai pas fait. Mais à deux doigts de raser la barbe pour garder la moustache, tu vois. Non, peut-être pas quand même. Peut-être pas. Par contre, j'ai un début de nouvelle playlist. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais je suis retombé dans la nostalgie de ouf. Avec... Oh, attendez, je vous en mets une autre. J'ai commencé sur une musique de Lugia, le thème de Lugia qu'il y avait dans Pokémon 2, le film, que j'adore. Je sais pas si vous l'avez entendu parce que c'était la première musique, mais je vous en mets une. Vous allez voir. Genre, vraiment, retour en enfance de fou, quoi. Retour en enfance de fou. Je sais pas si ça va faire un bon fond sonore, parce que c'est quand même un petit peu épique, pour présenter un jeu aussi pipou mignon que Mario. Mais voilà! Je reste pas, il y a Pumba qui réclame sa promenade. Oh non! Bisous Pumba! Pumba, c'est le chien et je suis son parrain. Voilà, sachez-le. Anecdote. Anecdote, je suis le parrain du chien d'Alain. Un poil too much?
Un poil too much la barbe, ouais. Hein. De raser la barbe. Et vous savez que je me suis jamais rasé la barbe depuis qu'elle pousse. Genre à blanc. Ça doit faire 8 ans que je me suis pas rasé la barbe à blanc. Genre, il y a des gens, la majorité de mon entourage, à part 2-3 personnes, ne m'ont jamais connu sans barbe. C'est ouf, hein. Bisous Alain. Attendez, mesdames et messieurs, quand même, si vous n'avez pas encore follow la chaîne d'Alain, vous allez le faire de ce pas parce qu'il a bien mérité son petit shootout. En ce moment, à part lui et Givre, je ne fais pas de shootout. Ce sont les deux seuls en ce moment. Incroyable. N'hésitez pas à cliquer sur le petit cœur violet en haut de votre chat pour rejoindre Alain et ses Lemmings. Vous allez voir, c'est très posé comme stream de l'après-midi, c'est très posé. Putain, mais il est là en plus. Il est là, mon Givre. Gougou. Coucou, Givre. Oh là là, l'invocation. T'as été summoned. C'est fou. Comment il va? Incroyable. Bébou. Il est là. Bah attends, j'ai déjà fait un shootout. Du coup, je peux pas en faire un autre, donc on va y aller à l'ancienne. Regardez, j'ai un lien pour Givre. J'ai un lien. Allez-y. Il est très rigolo. Moi, il me fait beaucoup rire, Givre. Je l'aime fort. Garde tes shootouts. Je fais ce que je veux. Shootout les copains. J'aime bien, moi. J'aime bien. J'ai une casquette de Mario. Bon, j'étais obligé d'avoir les yeux. C'est Mario Odyssey. C'est par accord, mais c'est pas grave. Des petits yeux, il y en a partout dans Mario, donc du coup, on dit que c'est ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On lance le jeu vidéo ou pas? Genre, est-ce qu'on y va direct? Sans préambule ni rien, le stream sera relativement court. Parce que, alors, je peux vous en parler parce que ça vous connaissez les noms. Mais ce week-end, sur Montpellier, se trouve les trois quarts de ma modération. Voilà. Les trois quarts de ma modération sont sur Montpellier. Bon, Rourou est déjà sur Montpellier de base, mais nous avons été rejoints pour le week-end par Axia et Diatorker. Voilà. Alors, ça veut dire que du coup, ils ne peuvent pas être là pour vous mettre des baffes si vous faites des bêtises, parce qu'ils sont sur Montpellier. Mais je passe la soirée avec la modération. Voilà, on va parler de vous. On va parler de à quel point vous êtes un chat difficile. Et qui sait qu'il faut garder à l'œil et resserrer la vis. Voilà. Donc du coup, je termine à 21h, 21h30, grand maximum ce soir. Voilà. C'est pour ça que le choix était un peu cornélien entre Mario aujourd'hui, qui va durer moins longtemps, et Spider-Man demain, qui va durer plus longtemps. Quoi. Rose joue à domicile, oui, ça c'est sûr. Ça c'est vrai. Le chat sur mes genoux, stop les coups de tête, j'arrive pas à écrire. Oh non, Aoko! Aoko, elle se fait bully. C'est terrible. Il y a Alain qui vient de m'envoyer une photo de Pumba le chien. Il a vraiment la tête de chien battu de ouf, et il dit je pouvais pas le faire attendre pour la promenade. C'est vraiment la tête de chien battu par excellence, quoi. Elle est incroyable, cette photo. Je peux la montrer? Attends. Oh non, Bébou chien, attendez. Ça, c'est la Switch. C'est pas grave. Je vous montre. Attendez, c'est pas le bon écran. Ah, c'est toujours pas le bon. Ah, attendez, j'y travaille. Boum! Chien! Il est pas mignon? Il est terriblement mignon! Ouais, d'accord que là, vous le voyez parce que je vois pas mon retour. Chien! Arnaud boit avec modération, toujours. Toujours. Bidion! Mais bien sûr, Bidion! C'est bizarre, mon chien fait la même tête H24, mais c'est une tête de chien battu, c'est un classique. C'est un classique. Bon, regardez, Mario Wonder, il est là. Hein. Il est ready to go. Oh, d'ailleurs, attendez, il faut qu'on fasse un test. Est-ce que vous avez le son en double, là? Je vais le lancer et on va voir si vous avez le son en double. Ça me fait un peu peur. J'ai pas testé de jeu Switch avec ça, donc du coup, j'ai peur que le son soit deux fois. Et j'ai l'impression qu'il y ait deux fois. Le suspense est total. Mais la musique est mignonne en tout cas. Alors? On l'a en double ou pas? Il y a pas le son de fois? C'est incroyable si c'est le cas. Est-ce que c'est trop fort?
D'ailleurs, on va faire des tests. Est-ce que là, vous l'entendez toujours? Là, vous entendez plus. Bon, du coup, il y a une barre de son sur mon OBS qui va me porter à confusion. Mais là, il va être très fort d'un coup, d'accord? Ta-doudou, ta-doudou. C'est pas assourdissant. Il est pas au max. Si, il est au max. Là, c'est au max. C'est pas hyper fort? Non, ça va. Mais j'ai bien réglé, alors. J'ai fait des bons réglages. J'essaye de devenir un G-son. J'essaye de maîtriser un setup. Genre, vraiment, la Go XLR, ça va changer ma vie, quoi. C'est tout. C'est tout. Incroyable. Et si j'appuie là, vous entendez plus. J'ai un bouton mute pour mute le son du jeu. Incroyable. Je m'attendais à saigner les oreilles quand tu nous as prévenu. Non, ça va. Ça marche bien. Imagine, mon son est correct. Allez, c'est parti. Combien de joueurs? 1. Je suis seul et abandonné. Attends, quoi? Carotin et les Yoshi ne subissent aucun dégât, mais ne peuvent pas utiliser des objets spéciaux. Carotin. Oh ben non, je prends Mario, je commence par Mario, je sais pas ce qui se passe après, mais je prends Mario. Je sais pas. C'est lui. Alors je découvre, je vous jure que j'ai à peine regardé 5 secondes du trailer en mode non, lui j'ai envie de le faire. Je veux pas me spoil, Carotin est visuellement désagréable, voilà je le dis, c'est vrai. Je connais des gens qui sont visuellement désagréables dans la vraie vie, Carotin en fait partie. Bienvenue au royaume des fleurs, une contrée proche du royaume champignon. J'ai l'impression que le son est un peu fort là. Je crois que j'ai Gigacast, j'ai un petit truc à faire, d'accord Rourou. Là on en pense quoi du son? Dans mes oreilles à moi, il est un peu fort. Là, c'est bien. J'ai l'impression que c'est bien. Alors, bienvenue au royaume des fleurs, une contrée proche du royaume champignon. Invité par le prince Florian... Scorek, ok, let's go. Le prince Florian, c'est mignon, déjà. Mario et ses amis s'y rendent pour la toute première fois. Oh, c'est chill. C'est le son d'avant, mais en chill, en doux. Bonjour. Putain, elle m'a fait peur. Je l'avais pas vu. Je suis harcelé par le chat, attends, je me concentre. Ça marche. Oh regarde, il est caché, on voit que sa moustache. La fleur, elle parle, elle m'a fait peur. Bonjour. Bonjour. Je peux faire quelque chose avec toi? Pas du tout. Je vais pas très vite, hein. Ouais! Attends, parce que... Je vais voir les options. J'ai l'impression que les voix sont faibles. Courir, sauter... Charge au sol... Commande par mouvement... Non, pas pour l'instant. Vibration forte! Paramètre des fleurs cancan. Voix et texte activés, bien sûr. Donc de la console... Blablabla, ok, je peux pas... J'ai tout changé. Merde. J'ai rien validé. Je ne peux pas changer la proportion de son. Elles sont possédées, ouais, j'ai l'impression. Ah oui, je peux courir. Wouah. Il a un petit rictus pas content quand on court. Bonjour. On vient faire la fête. Agou. Luigi. Hello. Ok. Ouais, il y a du monde. Je peux pas monter là. Oh, attends. J'ai glissé sur l'arbre un moment. J'ai vu quelque chose, mais attendez. Ah d'accord, ça rebondit ça. Ouhou.
Mario qui court égale se battre. Mais c'est un peu ça, regardez, le rictus pas content. Ah, gougou! Oh, y'a Carotin! Je t'ai vu, Carotin. T'es moche. Amuse-toi bien. Du coup, c'est pas des toads, ça, c'est des fleurs. Je sais pas comment ils appellent les toads du royaume des fleurs. Et regardez, on voit le royaume champignon en fond. Ok, j'aime bien l'ambiance, c'est sympa. C'est ok. Oh, bonjour. Oh, il a une petite mèche avec une feuille. T'es qui? Qui es-tu? Y'a Kamek, on l'a vu. Il est méchant. Tiens, j'ai vraiment l'impression que c'est l'intro de tous les Mario 2D ever. Un petit truc mignon, Bowser arrive, c'est la merde, et après on va faire des niveaux en 2D. Ah merde! Oh! Ah merde, Bowser vient de se transformer en château géant. Avec du gros rock. Ça va si vite. Il a mangé le château, l'Ifranox. Ah, il a les dents vertes, c'est dégueulasse. Ouais, une intro, voilà, viens on joue. Mais c'est un peu ça. Avec du gros rock, sa race. Incroyable. Là, je peux jouer avec le son. Il y a des trucs que je peux faire aussi. Je vous ai même pas montré. Coucou loup-garou! C'est le roi Bowser, n'est-ce pas? Comment ont-ils volé notre fleur prodige? Et notre beau château? Dire qu'il a fusionné avec notre château des fleurs pour devenir cette horrible chose? C'est vraiment un Bowser château, quoi. On ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. C'est tout le royaume qui est en danger si on ne fait rien. Ah oui! Vous allez nous aider, merci. Pas de rien. J'aimerais vous servir de guide si vous êtes d'accord. Juste un instant. Oh putain, il m'est rentré dans le cul. Ça va et toi, loup-garou? C'est le roi Arnaud. Non, je suis juste Arnaud tout simple. Oh, des Yoshi et Carotin. On compte tous sur toi. Merci, fleur bizarre. Qui n'est pas un Pokémon. Pleine des Toyo, ok. Oh, le Arnou, Attadé. Bon, du coup, là, vous avez plus le son du jeu, normalement. Si j'ai bien fait mon truc. Ça, c'est Arnou. Il est mignon. Il est vraiment très mignon. Super mignon. Oh, ça marche. Ça marche. Allô, je peux faire des trucs avec ma voix. C'est marrant. C'est marrant ou pas? C'est marrant? Allô? Oui? Oh, il y en a un deuxième. Incroyable. Le deuxième! Incroyable! Arnauton! Ça me fait rire! Voilà. Je vais me servir de ça une fois l'an, mais ça me fait marrer. C'était un autotune. J'ai un autotune! Mais pour toutes les fois où je chante en live pour faire de la merde. Coucou Laetitia! Bonjour! Regardez, c'est les presets de la GoXLR. Hein. C'est les mêmes que Will avait. Ouais, on comprend rien là. On comprend rien de ce qu'il dit le monsieur. On comprend rien du tout. Je vais t'arracher les yeux, tête du cul! Toi-même, tête du cul! Ça marche bien. C'est peut-être un peu vénère, mais... Oui, c'est un peu vénère. Attends. Peut-être l'éviter, le glitch. Voilà, c'est un peu grave. C'est un peu grave. J'ai l'impression d'être Bowser le château. Bon, voilà. J'ai décidé de me reconvertir en château. J'avais faim, voilà. Je crache du feu, j'ai les dents vertes, c'est dégueulasse. Voilà, disons.
Ça me fait rire, ça y est. Allez, ça me fait rire. À deux doigts de claquer un ferme ta mouille, mais ce serait mérité. Ce serait mérité. Attendez, j'en ai un autre. C'est le meilleur. Je pense que c'est le meilleur. Non, c'est pas le meilleur. Attends, l'écho est pas assez fort à mon goût. Allô ? Allô ? Écho ? Écho ! Non, c'est nul. Oh, c'est nul. Oh, ça me déçoit. Je suis déçu. Je suis déçu. Attendez. C'est la reverb ? Ah ! Allô ? Ouais, bof. Bof, bof. Oh ! Hey ! Le son de Mano, je m'amuse bien. Voilà. Il est où le jeu ? On devait pas jouer à un jeu ? Allô ? Ah oh, putain, mais arrêtez-moi, faites un truc. Allez, il est où le jeu? On fait quoi? On fait comment? On va où? On va y passer des heures, on ne remercie pas Will. Mais bien sûr que si, on remercie Will. Allez, royaume pas au royaume des fleurs. Attends, premier pas au royaume des fleurs, c'est ça? Here we go. Allez, le jeu. C'est bon. Fini les bêtises. En plus, je me souviens pas quel bouton fait quoi. Genre vraiment, là, si j'appuie, je suis Bowser, quoi. Et je m'en rendais pas compte. Voilà. Ok. Oh, la musique! En fait, j'ai trouvé des remixes d'ores et déjà de cette musique sur YouTube. Et je l'avais jamais entendue avant et je la trouvais cool, mais du coup, voilà, je la vois en jeu maintenant. Ok. Ok, il y a des collectibles, il y a des pièces violettes et tout. Oh, pardon. Oh, c'était mignon. Cette animation est mignonne. Par contre, elle est longue, juste pour ça. Le tête de cul envoie grave d'orques des cavernes profondes. Bah oui. Ah oui, de ouf. Bon, on est dans le niveau facile, hein, les Goomba dorment. Oh putain! Oh, c'est le fameux éléphant! Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il casse tout. Ah ah ah! Putain, la tête qu'il a fait. Ouais, les animations sont sympas. Putain, c'est vraiment tout mignon, quoi. Oh! Ça me fait. Ah, j'en garde un en réserve, du coup. J'en garde un en réserve, on le voit en haut à gauche. Oh, j'ai arrosé une plante. Regardez, là, il y a une plante qui est pas arrosée. Ouais, merci. Si je lui cours dessus... Ok. Ok. Est-ce que je peux rentrer dans les toyaux? La gueule! Je suis pas du tout rentré dedans. Bon, j'ai visiblement de l'eau dans ma trompe. Oh! Oh putain. Ok. Mais. Merci, Captain Obvious. Adorable cette plante qui me raconte la vie. Est-ce que c'est la plante du backseat? Ça sauvegarde. Echo? 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 Ah oui, c'est ça! Echo! Allo Erwan! Echo! Oh, c'est pas vraiment un écho, c'est un autotune! Pardon. Salut! Est-ce que je peux passer dans le Toyo quand même ou quoi? Oh, c'est rigolo! Je suis gros! Et il y avait des secrets. Comment il va, Erwan? Ok. T'es trop mimes avec Capi, merci beaucoup! C'est vrai que je suis mimes. Tu l'as marché dessus? Oui, je lui ai marché dessus, mais j'ai pas fait exprès. Si, j'ai fait exprès. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Oula! Y'a un temps limité ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Oula! Oh putain! J'ai vu ça à la TV! Attendez!
Non. Non. Attends, il y en a un autre. À l'aide. C'est vraiment très bizarre. C'est vraiment le gros trip sous LSD. Attends, je peux pas rentrer dans celui-là, il brille. Ah si. J'attends Spider-Man, mais je pense que ce sera pour demain. Oui. Enfin, en tout cas, moi, ce sera pour demain. C'est pas si c'est ça que tu voulais dire, mais... Demain, on joue à Spider-Man, ici. C'est qu'il est pas encore arrivé chez toi, Erwan, c'est ça? Moi, il est installé, ça y est. Il est installé sur la PS5, OMG. Ok. Bah, je sais pas. Graine prodige obtenue. Ah. Et du coup, si je reviens en arrière, il y a d'autres trucs. Eh oui. Donc c'est un peu comme si on était dans une réalité alternative quand on est dans le machin prodige là. Du coup, on rate des choses. Et vu que je suis complétionniste, oh putain. Wouah, le gros éléphant content! Let's go! Wouhou! Wouhouhouhou! Ok, c'est là où on était tout à l'heure. Il y a un éléphant qui plane, quoi, quand même, vraiment. Je veux tout, moi. Et toi? Ok. Est-ce que là je peux aller au Toyon en premier plan? Oh, wouah, j'avais pas vu! J'aime beaucoup les animations, en tout cas, pour l'instant. C'est le niveau tuto, hein, y a rien à voir de vraiment exceptionnel. Mais... Au revoir. Oh putain. Au revoir. Prodigieux. Ouais. Oh la graine. Ok. C'est 100%. C'est clean. C'est full clean. Détail, mais même l'animation où tu glisses le long d'un bloc en vertical et mims. J'ai pas fait attention, faut que je regarde. Youpi, les graines prodiges vont nous être très utiles. Allons en obtenir d'autres. Merci, Prince Florian. Le Prince Florian. Du coup, est-ce que c'est fait à 100%? Parce que j'ai 45 pièces violettes et 40 pièces jaunes. Est-ce qu'il y a un nombre de pièces violettes spécifiques? Trop choupi, le prince Florian, ouais. Ouais. Ouais, l'Ifranox, ouais. Ouais. Putain, c'est grand. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, je sais pas. Parade piranha, let's go. Probablement un tyran. Je sais pas, mais en tout cas, il a une petite mèche mignonne en forme de feuille sur la tête. Ça, c'est cool. Derrière, il y a des trucs, déjà. Ah oui, l'animation quand tu glisses. Oh putain. Ah, j'ai retrouvé une tête normale. Tiens, crame. Ouhou. Ok. Je peux pas rentrer là-dedans. Oh putain. Elle a des petits pieds. Elle fait flipper. Dégage. Ok, il y a une strat pour aller derrière, c'est sûr. Probablement le Toyo rouge, dirais-je. Parce qu'il se voit mieux que les autres et il va dans le sol. Wouh! Franchement, les animations, voilà. Je trouve qu'ils ont mis l'accent dessus et que c'est pas plus bête. Voilà. C'est amusant. C'est beaucoup plus fluide et mimes que d'habitude. Je trouve. Fabuleux! Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Faut pas que les animations deviennent trop longues, quoi, surtout. C'est là où ça risque. Mais oui, c'était moi là-bas. C'est vraiment la fleur du backseat, hein. Des fleurs qui marchent. C'est quoi la suite? Des fleurs qui parlent? Oh!
C'est une plante, on peut plus rien dire. Il a vraiment fait un commentaire boomer en finissant par « C'est quoi la suite ?» Non, Ako, c'est pas le moment d'acheter un jeu, t'as un salaire pourri, pas acheter. Tais-toi. En vrai, à Ako, il faut savoir se faire plaisir. La mauvaise influence du gars. Eh oui. Je le sentais. Fallait bien que je prenne un dégât à un moment. Tu mourras jamais. Bon, je pense que je peux pas l'avoir de là. J'ai une très mauvaise influence à Ako, je suis désolé. Faut pas m'écouter. Let's go! Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah putain! Ah! J'ai pas réussi, attendez, je voulais avoir utiliser ma feuille en réserve. Ah d'accord, faut rester appuyé, très bien. Ok. Ils se sont éclatés. Ouais, j'avoue, ils se sont éclatés de fou. J'écoute pas, là. Non, ne m'écoute pas, Ako, ne m'écoute pas. Ne m'écoute surtout pas. Waha! Allez, comédie musicale! Ça va nous rappeler, comment ça s'appelle, Balan Wonderworld. Il y a des arbres qui dansent derrière. Oh putain. À mon avis, il y avait un truc dans le toyau rouge, mais... Oh putain! Aïe 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 aïe! Je vais bien! Elle chante extrêmement bien! T'es pas supposé les tuer pour qu'elle continue la musique. Ah, je sais pas, moi ça me dérange pas de les buter en fait, parce que je suis quelqu'un de dangereux, mais. C'était sympa comme moment! C'était un peu lunaire, mais c'était sympa. Je sais pas pourquoi ce tuyau rouge, je le sens mal. Ah non, mais il est en parallaxe. Donc ça veut dire qu'il est, au premier plan, ce tuyau. Donc il y a peut-être un moyen d'aller au premier plan. Connaissiez-vous la parallaxe? Par contre, c'est à Dandine dans le chat, j'aime bien. Est-ce que c'est lui? Non. Non. Bon, j'ai peut-être pas moyen d'y aller, remarque. J'aime bien ce principe de plusieurs plans. Ouais, moi aussi. C'est intéressant. J'aime bien. Wink. On voit pas ça tous les jours. C'est vrai. Combien il leur faut de plantes pour... 3 pour qu'elle crame, très bien. Ok. Oh merde, non. Let's go. Wouhou, prodigieux. Incre. C'est amusant, je m'amuse actuellement. Oh, il y a une photo. C'est moi qui ai pris une capture par inadvertance ou... Ok. Jusqu'ici, c'est amusant. Oh yeah. Bon, j'avoue, j'ai quand même hâte d'un Mario en 3D à la Mario Odyssey, t'sais. Le Mario 2D, bon. Mais là, pour le moment, moi, je veux juste voir les innovations gameplay qu'ils ont. Alors, champi,
champi ou éléphant? Éléphant, bien sûr. Par contre, je me demande... Ouais. On va faire un test. Est-ce que je stocke l'éléphant si je fais ça? Je stocke l'éléphant, parfait. Incroyable. Je m'en doutais. Ok. Quelle est la différence entre les pièces jaunes et les pièces violettes? Je vous le demande, mesdames et messieurs. De la gestion de pouvoir, mais oui! Incroyable! Nintendo ferait du game design? Bien sûr que oui. Oh non, il est flippé! Oh la tête! J'ai vraiment l'impression d'être le méchant de l'histoire du coup. Eh oui, mais pourquoi il m'attaque aussi? Non! Non, je voulais garder la plante. La plante de feu, c'est pas grave. J'aime la musique. Reviens! Désolé. Il est flippé. Mais est-ce que je peux le tuer? C'est complètement ça. Ça ressemble de plus en plus à Balan du coup. La boucle est bouclée. C'est ça. Moi ça me va. Hein. Genre Balan est quand même un excellent jeu. Qu'on a bien sûr fini à 100%. C'est faux. Sinon je me serais fait tuer par l'intégralité du chat. Rourou la première. Ok, ça fonctionne ça. Je voulais savoir. Wink. Ouf. Wink. Ouf. Wink. Hop là. Oh oh. C'est tout? Il faut les pièces. Oh mais je sais pas si vous avez vu mais il y avait un truc, je pense que ma caméra est peut-être mal placée, mais il y avait un truc de complétion en fait. Globalement il y avait en dessous de ma tête des icônes, il y avait trois icônes de pièces violettes à 10. Faut récupérer les trois quoi. Oh trop bien. Horrible mais trop bien. Ah je les ai écrasés. Attendez, là, quand ça apparaîtra pour la troisième, je regarderai si ma caméra est bien placée. Quelle violence. C'était atroce. Ce qui vient de se passer était atroce. Ah. Attention, on regarde. Ah, c'est pile sous ma cam. Excellent. Attendez. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ta la la ta la la. J'aime bien cette musique d'Overworld là. D'Overworld. On voit Po. C'est... Normalement c'est réglé. Tu m'as trouvé. Ouais, super, donne-moi de la thune. Je t'ai fait peur. Merci Diato. Pour le 14e mois, Diato qui est sur téléphone actuellement, comme je vous le disais. Diato qui erre dans Montpellier à l'heure actuelle. Ça va Diato? Reviens, tête de cul! Oh, c'est la teuf! Attends. C'est génial! Oh, boum! Prodigieux! Attends. Viens ici! Attends! Je te tiens, mon gars! Oui, bonjour. Faux, je suis sur mon PC. Oh, il a emmené le PC. Bah écoute, ça va. On est en plein test. Pour le moment, ça se passe bien. Et je peux même faire des bêtises avec ma GoXLR. Ça me fait rire! Voilà. Je fais des tests.
À deux doigts de... Allô, à deux doigts d'avoir cette voix toutes les fois où je suis en éléphant. Il y a juste un truc bizarre. Qui est le délai de la voix avec l'effet. Du coup, c'est un peu perturbant pour mon petit cerveau. Parce que ça se passe pas exactement en même temps dans les oreilles, même c'est chaud. Mais sinon, ça va, c'est ok. Salut Billy! Bonjour Billy! Comment il va, Billy? Bonsoir. C'est moi, Mario. Parle en français. Alors, Mario, non, mais les petites fleurs qu'on croise, oui. Les petites fleurs qu'on croise, oui, parlent en français, effectivement. Yahoo! Il se passe quoi avec le micro? Je sais pas, Billy, à chaque fois il fait des trucs chelous! A l'aide! Au secours! Je suis possédé! Billy! Ça va. Oh non! J'aurais pas dû faire ça! Oh non! Oh non! Arrête! Arrête, face de cul! Ah bah super. Salut Reshkaf, comment ça va? Bienvenue. Let's go. Attrape carapate. Quoi? Ah, c'était le nom de la zone peut-être. Oh, y a des photos stylées. Tu choisis un autre perso pour jouer pendant le tuto, Mario va parler du coup. Je sais pas, ah non, mais les autres persos, genre Peach, Luigi, les Toad et tout, ils ont pas parlé. Claquer, mais ça va, j'apprends à jongler entre mes cours et mon taf. Et comment ça se passe? Est-ce que tu trouves un rythme? Oh mon dieu! Oh, voilà qui me plaît! Je ne fais plus qu'un avec le château des fleurs et toute cette puissance prodigieuse. Mes forces, je les sens décuplées. Je vais mettre le monde à genoux. Et ça marche bien, hein. Le pitch est peut-être un peu violent. Oh, attends, est-ce que ça marche si je prends celle-là? Non, plus jamais je fais ça. C'est l'enfer. C'est l'enfer, ce filtre. Pourquoi? Pourquoi il y a ça? Allô? Oui, non, ça c'est plus rigolo déjà, mais... C'est de réduire. Ah non, mais c'est la voix de robot qui va avec. Attendez, il y avait un filtre robot nul à chier. Oh non. Il va falloir configurer tes presets. Oui. Allô. Oh, c'est mieux là, non? Pour le prince Florian. Florian? Attendez, par contre, je sais pas si ça va sauvegarder ce que j'ai fait. Si je passe sur celui-là. Et que je reviens sur celui-là. Ah si, ça a sauvegardé, c'est génial. Débrancher la GoXLR la prochaine fois. Mais c'est rigolo la GoXLR. Allô. J'utilise la GoXLR, Billy. Tu m'amuses bien. Préviens quand tu fais ça, mes voisins ont pas besoin de savoir ce que je regarde. Ouais, je comprends. Ouais. J'avoue, Elise et Moon, quoi. Putain, j'ai pas de réplique cul d'Elise et Moon dans la tête parce qu'il m'énerve. Donc je peux pas vous... Je sais pas. Passez une bonne journée, quoi. C'est une réplique cul d'Elise et Moon. Ça va chez vous, quoi? Ça aussi. Ce maudit buzzer va tout détruire. Hors de question de le laisser faire. Nous devons trouver un moyen de l'atteindre. Attends, par contre, l'écho est vénère. On n'a pas besoin de ça. Il est avec moi, le gars. Oh, j'ai trouvé. On va le rejoindre avec la fleur hélico. Ouais. Ok, bah on y va, alors. Ta-doudou. Vous en avez marre déjà ou pas? Moi, j'adore. Je m'amuse. Ça vous saoule? Dites-le si ça vous saoule, ça m'empêchera pas de continuer, mais dites-le si ça vous saoule. Ce stream va être très long. Ok. Bon bah super. Juste que je me rappelle des presets. Genre le... Lui c'est poseur, voilà. Là on a le prince Florian. Là on a l'autotune.
C'est rigolo. Ouais, il y a Bibi Bowser aussi. Attends, mais ça marche avec la voix de Florian, ça. Hé, mon papounet s'est transformé en forteresse. Il est vraiment con. Il est tellement balèze comme ça que plus personne ne pourra l'arrêter. Ça va m'aider à faire du voice acting, c'est rigolo. Dites-le. L'écho reverb, c'est pas incroyable à chaque fois. Pourquoi? C'est pas bien? C'est nul? Ça casse les oreilles, vraiment? C'est de pire... Attends, merde, attends. Il parle, là. C'est de pire en pire. Regarde, comme cette plante s'est enroulée autour de cette maison. Oh, j'ai une idée. On n'a qu'à utiliser nos graines prodiges. Je parie qu'elles vont venir à bout de la plante. Elles sont très puissantes, après tout. Ouais, je suis le prince Florian. Ce Mario, alors, pour le moment... Bah écoute, moi je m'amuse, je le trouve stylé pour le moment. Il y a plein d'animations très mignonnes, les pouvoirs sont intéressants, c'est chill, c'est posé, on est bien. Hein. C'est surtout incompréhensible la réverb. Ah ouais? Alors attends, sur lequel il y a de la réverb? Là, il y a beaucoup de réverb. C'est chiant? Alors je peux réduire la réverb? Il y a réverb et... Enfin, non, là il y a plus de réverb. Il y a que de l'écho, il y a de l'écho et du mégaphone. Allô? Là, on dirait la fête foraine, en fait. On dirait juste la fête foraine. Et si je rajoute de l'autotune? Non, c'est encore pire. L'écho, c'est bien? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est juste le mégaphone. Là j'ai quoi? Là j'ai rien de spécial. Là c'est vraiment une voix chelou. C'est juste ça. Sur le 2, on a un giga mégaphone en fait. Est-ce que ça casse les oreilles? Je ne sais pas. En fait, c'est la même chose que celui-là. Sauf que celui-là, il a de l'écho en plus. Voilà. Et là, là c'est juste de l'autotune. Voilà, donc les moments où je chantonne, je peux mettre le 3, il y a de l'autotune et c'est marrant. Voilà. Vous trouvez ça marrant? Rousse fait quelque chose moderne. Ah! Tu crois qu'elle peut faire ça avec son épée? C'est l'écho qui est chiant? Ah merde! Ah non, l'écho c'est rigolo! C'est dommage! C'est full dommage! Bref. Ok, je m'amuse. Pardon, désolé. Alors. Ok, donc avec les graines, je peux dégager des... ouvrir des mondes. Pavillon à bande de la plaine des Toyos. Je suis curieux de savoir comment ils s'appellent, ces Todd de fleurs, là. C'est rigolo, les voix, faut juste trouver les bons réglages. Oui, c'est ça. Là, c'est les presets de base de la Go, il faut juste que je prenne le temps de les mettre correctement. C'est tout. C'est juste ça. Tout va bien? J'ai si peur que j'ai cru que j'allais perdre les pétales. Oh, c'est mignon. Mais j'ai pu garder ce précieux badge à l'abri. Poplin, il s'appelle. Est-ce que c'est son prénom ou le nom de son... Ah mais oui, les badges. Ce sont ces objets aux effets variés dont on peut s'équiper. Tous ceux qui voyagent dans le royaume des fleurs aiment beaucoup les utiliser. Prince Florian, si je puis me permettre, j'aimerais vous donner ce badge. En tant que grand dignitaire, je suis sûr que vous saurez en faire le meilleur usage possible. C'est moi qui vais le prendre surtout. C'est rigolo qu'il y ait ma casquette sur le badge de ce pays dont, où je n'ai jamais foutu les pieds. Oh mais c'est génial! Pour tout avouer, j'ai toujours rêvé d'en mettre un! Je pourrais sûrement me rendre utile grâce au pouvoir de ce badge. Alors vraiment, merci! Putain, il a éclos. En acceptant ce badge, c'est à moi que vous faites une fleur, Prince Florian. C'est marrant parce que c'est une fleur, lol! Les badges vont vous faciliter la vie, n'hésitez pas à vous en servir. Oui. Bye bye! Bah salut! Je peux savoir à quoi il sert? Par ici, d'accord, pardon. Au revoir, monsieur. Initiation au badge. Ah! Parachapeau. Dans les airs, maintenez R ou secouez la manette pour ouvrir votre couvre-chef et flotter lentement vers le bas. Ok. Attends, on a une fleur qui vient de réaliser qu'elle brisait le quatrième mur, non? C'est quoi, R? Tu brises le quatrième mur! Let's go! Il est chauve, ça me fait rire. Merci. Ça, c'était du tuto, ça. Sache que je vais tenter de faire une pâte à pizza correcte. Selon les effets que tu vas utiliser, tu risques de perturber la pâte. Oh non, attends, faut pas qu'on perturbe la pâte de givre. La pâte à givre. Ne perturbons pas la pâte à givre. Je vais être sage, givre. Ok. Putain, il va encore parler.
Regarde un peu cet endroit. Des gros espaces, du vent. Du gros vent. Et une autre de ces maudites plantes. On est bon pour aller récupérer d'autres graines prodiges. Oh là là, c'est pas comme si c'était le but du jeu, MDR. Bon, on commence par aller où? Si tu veux consulter la carte, appuie sur L. Merci à toi. L. Très bien, très bien. Donc on avait une petite île au début. Bon, c'est relativement grand, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de niveaux quand même. Ah, je peux choisir celui que je veux, il n'y a pas de chemin prédéfini. Jouer ensemble. Salut, ravi de te rencontrer. Monsieur Réseau. Tout le monde m'appelle Monsieur Réseau. Je peux parler en autotune avec lui. Si le jeu en ligne t'intéresse, tu as frappé à la bonne porte. Et maintenant que les présentations sont faites, une astuce réseau rien que pour toi. Partage ton aventure avec des joueurs du monde entier. En jouant en ligne, tu peux t'amuser avec des gens d'un peu partout. Et en cas de pépin, les gens peuvent s'entraider de toutes sortes de manières. Autant de bonnes raisons d'activer le jeu en ligne, si tu veux mon avis. Non, j'ai pas d'amis. Allez, ça dégage. Course non-stop. Oh, c'est des petits bonus. Essayons. Maintenant, Y pour vous déplacer en vous déplaçant pour courir. Courez à toute allure. Déplacez-vous en maintenant Y pour courir. Courez pour obtenir la graine prodige. Ok, j'imagine que en tapant, ça va lancer le truc. C'est tout? Je suis très déçu. T'as pas d'amis? Non, j'ai pas d'amis, Diato, j'en ai zéro. Courir en Y. C'est ça. Givre, il prend des notes. Rourou, Givre, il fait comme avec toi, il prend des notes, ça me fait rire. Bienvenue. Bonjour, dans ce bazar, nous vendons un peu de tout, ça ne te coûtera que quelques pièces fleurs. Ah, c'est donc ça. C'est donc ça. Gratification, vous remportez des pièces à chaque ennemi éliminé. Une graine prodige, bien sûr. Dossier d'un étrange pouvoir et que les popelins considèrent comme très précieuses. Donc c'est ça, les toads, c'est les popelins. Écoute, non, j'ai pas d'amis, Diato. I am a joke to you. Oui, mais il me connaît, Diato, il sait. Je passe en lurk, je me relance sur Hollow Knight parce que j'aime souffrir et perdre. Bah courage à Oko, des bisous. Bon lurk. Cet objet vous donne une vie supplémentaire, 5 vies supplémentaires, et acheter un panneau aléatoire, qu'allez-vous obtenir? Surprise garantie. Alors déjà, je vais prendre ça. La gratification. Parce que les stagiaires adorent. Et quand j'aurai 10, je prendrai le panneau. Ça me rappelle Mario Odyssey. Dans Mario Odyssey, tu récupérais des pièces violettes et tu pouvais acheter des skins et tout. Je sais pas si c'est un peu l'équivalent. Est-ce que tu veux changer de badge? Oui. Ah, c'est un badge que j'ai récupéré du coup, d'accord. Ouais, non, je m'en fiche un peu. Je m'en fiche, mais vu que je veux faire le jeu à 100%, il faut que j'achète tout. C'est tombé là. Tombé là, tombé la chemise. C'est terrible, ce rocher est tombé à cause de cet affreux Bowser. Je voudrais bien le pulvériser, mais il est beaucoup trop gros. Avec 10 pièces fleurs, je crois que j'y arriverai. Ces pièces nous revigorent, nous autres popelins. Je les ai pas. Il me faut plus d'énergie. Ok, bon. Eh ben écoutez, faisons un niveau. Cours Ceratops. Ça part. J'ai qu'un seul type d'humour, le running gag. Mais je trouve ça très drôle, moi. Alors j'aime bien. Alors vas-y, TKT. Oh putain. Oh la tête! Oh il est mims! Ah là, non mais là c'est une erreur mesdames et messieurs de Nintendo. C'est cool de faire des ennemis mims, mais s'ils sont trop mims, après on culpabilise de les buter. Bon là je culpabilise de l'avoir buté un peu tôt peut-être. Ok. Oh putain! Regardez, il est mignon, il est content! Mais je crois qu'il veut juste s'amuser avec moi en fait. C'est encore plus horrible, j'ai pas envie de le tuer.
Est-ce qu'ils ont repop? Oh merde. Putain, mais ils donnent de la thune, c'est horrible. Nintendo! Ça fait de Mario quelqu'un de cruel qui débarque dans un pays et qui tue tout le monde. Si on est gentil, on est forcément beau. Bah oui! Bien sûr que oui. Toi, t'es hyper beau, Givre. Ah ouais? Oh! Regarde, Quasimodo, et viens me dire ça en face. Je trouve qu'il est hyper beau. Il est humainement très très beau, Quasimodo. Juge pas sur le physique, enfin! Pauvre Quasimodo! C'est pas de sa faute! Hop là! Est-ce que du coup vous voyez? Est-ce que j'ai bien placé la caméra? Ouais, vous voyez, c'est au-dessus de ma tête. Très bien. Quasimodo est hyper beau. Mais ils dandinent, ils ont un petit jogging, j'avais même pas vu. C'est quoi ça, un jogging de course? Non, ok, il est un peu teuteux, lui. Attendez, je reviens un peu en arrière. Oh non, ils se sont foncés l'un dans l'autre, les bébous. Ok. Je vais passer. Désolé, mais vraiment, j'ai pas eu le choix. On m'a pas laissé le choix. J'ai l'impression de devenir l'être le plus cruel de France, juste à jouer à Mario Wonder, quoi. Oh merde! Il m'a bolossé! Yes, tout va bien. Problème réglé. Oh merde! Oh, let's go! Oh putain, c'est le roi lion! Oh oh! On est suivi, mesdames, messieurs! Oh merde! Oh putain! C'est quoi ça? Ok, il y a de la thune là-dedans. J'ai échoué, non? Mario LSD édition, c'est un peu ça, ouais. Et du coup, j'ai échoué. Ok, faudra relancer le niveau pour faire ça. J'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il fallait juste sprinter. Par contre, eux, là... Ok. Ça va, frère? Ah! Ok, j'ai fait le malin. Qui fait le malin tombe dans le ravin, c'est bien connu. Tu peux aller dans l'autre sens, s'il te plaît? Pareil que t'as pas d'amis, c'est Axia. Oh là là! Au secours, les modos font du drama! Comment je vais faire? Si même vous, vous faites du drama? Je fais des blagues! Allez, tourne-toi, Michel. Voilà, allez, tout droit. Let's go. Oh putain. Yes. Drama, action encore. Nous, on n'aime pas les blagues, mais pourquoi vous êtes modo chez moi si vous n'aimez pas les blagues alors que moi, j'adore l'humour. Let's go. Bon, faut le refaire du coup. Faut le refaire instantanément. Je
Désolé, mais là, il y a un petit truc qui a pas été récolté. Ça me plaît pas. J'aime pas. À l'aide. Ah ! On m'a pris en photo quand je me prenais un truc dans le cul. Enfin, un machin. Quel humour. Merci. Il se partage le compte de Diato. Ça me fume. Ok, on va essayer de speeder. Récupère une fleur. Et on va essayer de speeder jusqu'à la fleur prodige. Et par contre, les fleurs violettes, elles sont dispo ad vitam aeternam. Enfin, on peut les récupérer... Oh putain. On peut les récupérer même si on les a déjà récupérées, les petites. Donc c'est pas une seule itération. Je sais pas si vous m'avez compris. J'ai eu peur. Regardez, celle-là, je l'avais déjà eue et je peux la re-récupérer en refaisant le niveau. C'est le mode Overse, oui, c'est un peu ça. Ils sont bizarres, eux. Je peux leur sauter dessus ou pas? Alors, je peux, mais c'est à mes risques et périls, visiblement. Géronimo! Oh putain! Ok. Merde. J'ai obtenu absolument aucune pièce. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas, fallait faire autre chose. Salut. Fallait faire autre chose, mais quoi? Récupérer toutes les pièces violettes? Parce que tout à l'heure, ça s'est arrêté. Genre, le trip sous LSD s'est arrêté d'un coup et je ne sais pas exactement pourquoi. Je vais chercher. Ok. Ok. Ça je peux pas. Quink. Ok. Zénardi. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ça m'a fait perdre une vie. Je vais trouver. Bravo Arnaud, champion du monde. Ah, c'est top ça. Hop là. Ok. Je vais essayer de speeder et de... limite récupérer la grosse bulle là. Et de la laisser vivre sa vie. Ah d'accord, ça continue après. Merde.
Ok, j'ai. J'ai compris. C'était fou, non? Ah, c'était. Pierre, pourquoi? Enfin quelqu'un. Bah, salut. Adieu, solitude. Mais tu sers qu'à ça? Putain, je m'attendais à un passage secret, ça dégoûte. Allez, attendez. Visitons. C'était fou, non? Bon, ok. Disons que ça va. Ah, mais j'en ai gagné une troisième, du coup! Il y en avait une planquée! Quel bonheur! Incroyable! Trop bien! Trop bien, trop bien! Attendez. Dis donc, tu as récolté pas mal de graines prodiges. Je suis sûr qu'on peut les utiliser. Allons jusqu'à cette plante enroulée, si tu veux bien. Ouais! À boubou! Oui, mais avant... On va acheter des trucs. Bonjour, dans ce bazar, nous vendons un peu de tout. Oui, bien sûr. Le jeu semble aimer que tu te prennes des trucs dans le cul. Mais j'ai l'impression, ouais. J'ai un peu l'impression. Mario qui nage. À propos des panneaux. Vous pouvez placer des panneaux où bon vous semble dans un stage. Un panneau est un témoin de votre passage qui signifie « J'étais là ». Ok. Placer un panneau X en étant accroupi, d'accord. Pendant le jeu en ligne, vous pouvez utiliser les panneaux placés par les joueurs du monde entier pour vous ranimer quand vous êtes transformé en fantôme. Vos propres panneaux ne peuvent pas vous ranimer, mais ils peuvent aider les autres joueurs en ligne. En en plaçant un peu dans un passage dangereux, vous sauverez peut-être un autre joueur. Oh, c'est gentil. Vous trouverez parfois des panneaux grisés dans les stages. Ce sont des panneaux que les joueurs du monde entier ont placés pendant leur propre session de jeu. Tant qu'ils sont grisés, ils ne peuvent pas vous ranimer. Mais il vous suffit de les toucher pour les activer et pouvoir les utiliser. D'accord. Les panneaux ont de nombreux motifs différents. Achetez des panneaux surprises dans les bazars des poplins, disséminés dans chaque monde pour en obtenir de nouveaux. Si vous possédez plusieurs panneaux, essayez d'en placer un plusieurs fois d'affilée au même endroit. Le motif affiché changera à chaque fois. Accédez à votre collection de panneaux en ouvrant la carte menu principal. Ok. Ça a vraiment un intérêt que si on a des amis, quoi. Daisy qui pose. Je peux en acheter autant que je veux ? Toad bleu éléphant. Mmh. D'accord. Bon bah c'est bon à savoir. Reviens quand tu veux. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais il me reste un niveau. Hein. Roule, 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 Hippo. Ok. Difficulté 2 étoiles. Tu permets, roule, Hippo. Je me sens pas bien. Qu'est-ce que tu fais de beau, roule, Hippo? Oh merde! Oh non, mais il est coincé à vie maintenant! Mais c'est encore cruel! Putain! Eux, ils ont l'air méchants, donc ça me fait moins chier, mais. Bon, c'est un peu rigolo quand même. La question c'est pourquoi les avoir rendus mignons? Encore une fois, hein. Oh putain! Il y avait un bloc caché. Un bloc pitch. Bon, ça va, ils ont pas l'air de trop mal le vivre. Hein. Moi, ça m'empêche de tomber dans le vide.
déjà ça. Wouhou! Wouhou! J'ai gagné une vie! Une up, comme on dit. Mais ça, je sais pas ce que c'est. À part un truc qu'il faut pas toucher le sol, j'imagine. Et qui donne des choses, des bonus. Mais elle se barre, celle-ci! Reviens! C'est peut-être juste ça. Est-ce que je peux pas récupérer la, une carapace? Eh si, c'est bien ce que je pensais. Merde! J'ai foiré de ouf! Au secours! Ah, c'est pas ce que je voulais faire! Mais c'est marrant! Attends. Yahoo! Mais je suis un génie, frère! Qu'est-ce qu'il y a? Ok, faut courir dessus, très bien. Un peu trop! Je vais y arriver, hein. Ça se trouve, je peux le faire avec ma trompe, mais... Ok, let's go! Aou! Oh, parfait! C'est ridiculement mignon, je trouve aussi. Oh merde! J'aime bien! Oh putain! Je sais pas, mais c'est la merde! Oh merde! Reviens! Reviens! Frère! Let's go! Par contre, le moment où ça redevient au calme, enfin, c'est retour au calme après le comment dire, la dinguerie sous LSD, ça me fait beaucoup rire. Mario Phase plus que dans le rêve de Dumbo, mais ouais! Non mais je sais pas pourquoi, mais vraiment, le LSD est de mise. Hein. Il y avait déjà des gens qui targuaient l'univers de Mario d'être un univers complètement sous drogue, mais alors maintenant... Après, moi, je m'amuse, hein, c'est chouette. Par contre, je suis en train de me poser une question. Je suis en train de me poser une question, donc on va faire un test, mesdames et messieurs. Le monde précédent m'a montré qu'il était possible d'avoir une deuxième sortie à un niveau. Est-ce que c'était exceptionnel? Ou est-ce que c'est toujours le cas? Tu récoltes des petits navets Twitch. Ça, des petits navets Twitch? Ça ressemble à des petits navets Twitch, tu trouves? D'ailleurs, au passage, j'ai pas récupéré toutes les pièces... les pièces 10, non? Fais voir. Ah non, il m'en manque une. Il y en a une que j'ai pas eue dans le tas. Il y en a une que j'ai pas eu. Ah ah ! OMG ! Tiens, salut ! Bah salut ! Le refaire? J'ai échoué, je peux le refaire ou pas?
S'il vous plaît. Bon, j'ai eu la pièce, mais... Je peux le refaire, s'il vous plaît. C'était toi? Allez, je suis sûr il y a un truc. Oh non, je peux pas le refaire. Je vous jure, je vais quitter le niveau et revenir. J'en ai rien à foutre. La complétion, mesdames, messieurs, j'en ai rien à foutre. Je suis chiant, hein. Vous avez le droit de le dire. Hein. Yahoo! Waha! Allez, fais péter. Je sais exactement comment faire. Oh non! Non! Quoi? Quoi? Comment ça? Comment ça? Qui a vu quoi? Qui a vu quelque chose ici? Personne? Personne n'a rien vu. Personne n'a absolument rien vu de ce qui vient de se passer. Genre vraiment, vous avez tous fait un blackout, c'est tout. C'est juste ça, hein. Prodigieux, voilà. Un prodigieux blackout. Wink. En attendant, je récupère des pièces violettes. Hein. Ah. Let's go. Ça se trouve, je récupère rien d'intéressant en plus. Hein. Oh merde. Non mais sérieux! J'ai envie de crever, mais c'est pas possible! Je me suis fait avoir par la vie! C'est pas vrai! Mais enfin! Doudou. C'est mérité. J'en ai rien à foutre, c'est mérité. C'est parti. Cette fois, c'est la bonne. Tiens, salut. Salut. J'ai gagné quoi? J'ai juste eu des petites fleurs qui m'ont fait coucou sur le côté, c'est tout? Bah, j'ai envie de crever. Ok. Du coup, deuxième chose à vérifier. Est-ce qu'il y a une autre sortie au niveau? Du coup, le truc que j'ai un peu envie de tester... Oh! Le truc que j'ai un peu envie de tester, c'est est-ce que... c'est avec la fleur prodige qu'on peut aller ailleurs? Genre si je vais jusqu'au bout du niveau. Oula. En étant sous l'effet de la fleur prodige, est-ce qu'il se passe un truc? Oh putain. Oh, je me fais bonquer. Y'a pas de fin de niveau! On m'a menti! Ok, on m'a menti. Attends, peut-être que...
J'essaye un truc. Non. Je pense pas que ça change. Selon moi, dans le niveau précédent, ce sont les espèces des rhinos qui ont cassé le drapeau et ont débloqué la suite. Oui, c'est ce que je pense aussi. Et il aurait pu y avoir un truc similaire avec le gros hippo, tu vois. Connaissant Nintendo et les jeux Mario, il y a des chances qu'il y en ait 3 à récupérer par level, mais que il faut vraiment fouiller, quoi. C'est franchement possible.